Lorsque survient une urgence, Caritas est en première ligne pour fournir une aide essentielle. Les personnes touchées par les désastres sont au centre de toutes nos réponses. Les protocoles d'urgence de Caritas Internationalis régissent la manière dont on soutient la coordination et on augmente la capacité durant une réponse humanitaire. Le réseau de l'Église locale et la Caritas nationale se trouvent au cœur même de la réponse. Leurs actions sont soutenues par la Confédération globale de Caritas et coordonnées par le secrétariat général de Caritas Internationalis. Différents mécanismes permettent d'améliorer la coordination, de mobiliser des fonds et d'apporter une capacité d'appoint à la Caritas nationale à partir de la Confédération. Une fois que le protocole de CI pour la coordination de la réponse aux urgences a été activé, un coordonnateur d'urgence de CI peut être déployé pour appuyer la Caritas nationale dans la coordination de la réponse de la Confédération. L'expertise technique provient des groupes de travail sectoriels. Un groupe est affecté à la redevabilité qui inclut la protection transversale et les évaluations en temps réel. Un autre groupe couvre l'eau, l'assainissement et la promotion de l'hygiène. Et un troisième groupe s'occupe des abris et des installations. La Caritas nationale peut également décider d'activer d'autres mécanismes de soutien, tels que le partenaire facilitateur, l'équipe de soutien à la réponse aux urgences et l'équipe de solidarité pour un partenariat d'urgence. Les fonds internes à la Confédération sont mobilisés à travers l'appel de réponse rapide, l'appel d'urgence ou l'appel de crise prolongée en fonction du type et de la durée de la crise. La boîte à outils d'urgence de Caritas Internationalis fournit des directives simples sur la manière de lancer, de gérer et de clore les appels de CI et sur les outils pratiques utilisés dans la réponse humanitaire. La coordination renforce notre efficacité, notre efficience et notre impact, individuellement en tant qu'agence et de façon collective en tant que confédération. Merci à tous pour tout ce que vous faites.